tourne, ça tourne pas. Ça tourne. Coucou les filles. Donc voilà, donc j'aurai une vidéo pour un peu plus simple. Donc on va parler donc, du cudo du mois. Donc là c'est le masque sébo régulateur. Qui, comme elle l'indique, c'est pour contrôler le sébum gras sur la peau. Et moi j'en ai particulièrement en ce moment sur le foie. C'est une cata. Donc moi j'ai le pinceau applicateur. Donc en ce moment dans le cudo, donc je vais déloter le lot en fait, le cudo avec le prix. Si vous souhaitez que les lingettes démaquillants, vous me demandez. Si vous voulez que le pinceau parce que vous avez déjà des masques, vous me dites, je vais vous le dire. Si vous voulez que le masque, vous me dites. Et si vous voulez que l'eau de le mousse ou de rose, pour tonifier votre peau le même matin, voilà, vous me le dites. Bien évidemment, il faut que chaque produit soit sélectionné pour que je puisse passer comment. Et donc après, forcément, ce sera virement par PayPal ou virement bancaire. Je préconise le virement PayPal, comme ça je paye directement par PayPal derrière. Ou alors, si vous souhaitez un autre produit, mascara, liner, ombre à paupières, ce que vous voulez, vous me le dites aussi, du coup. Et je peux bien évidemment passer commande pour vous. Du coup, forcément, commande groupée est égale à frais de port diminué, forcément. Vous ne payez pas chacune, du coup, 4,95€. Si je fais une commande groupée, du coup, vous ne payez pas les frais de port, ce qui est logique. Bien évidemment. Donc, moi, j'ai le sébo régulateur. Il se présente comme ceci. Avec ce petit pinceau, donc je vais l'appliquer. Donc, je dois avoir une tête affreuse, les filles, je suis sûre et certaine. Alors, oui, de toute manière, vu que je suis en plein rangement, j'ai envie de vous dire, voilà, faut faire attention à ma tête non plus. Donc, voilà, donc je vais l'appliquer. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Je vais déjà prendre ce qu'il y a sur le capuchon. Je pense que pour ceux qui me connaissent. Donc j'en ai un autre de masque que j'ai offert à ma maman à Noël. Et c'est le masque exfoliant. Et elle adore. Donc voilà. Donc il faut une couche évidemment. Uniforme, hein. C'est le moment le plus glamour que j'adore. Je me suis dit jamais je ferai ça, et en fin de compte, bah, si je fais. Donc moi j'en applique sur tout le visage, parce que de toute façon j'ai la peau grasse en temps normal. Donc comme ça. Forcément celui qui a des points noirs, bah, je vous propose... le masque purifiant. N'en mettez pas dans vos sourcils, comme je viens de faire. Celui qui a la peau sèche, ce sera le masque hydratant. Celui qui a la zone T grasse, bah forcément, c'est beau régulateur, je lui conseille. Après, là, et exfoliant, c'est pour exfolier la peau, comme son nom l'indique. Qui dit exfolier, dit... Donc exfolier, c'est donc avec du grain de sel, enfin voilà. Donc ça s'étale hyper bien. Ça, j'adore déjà. Un masque qui s'étale hyper bien, c'est ce que je préfère. Un masque qui s'étale pas bien, qui arrête pas de tomber, qui coule, ça m'agace assez fortement en fait. Donc là qui s'étale bien, c'est parfait. Non, j'ai un ou deux cheveux qui me dérangent.
Combien je devais bientôt aller chez le coiffeur, donc bon. Ah putain, mais ça saoule, ses cheveux là aussi. Oh. Bon ben, ça va m'énerver ce cheveu si je le sens bien. Ça m'énerve en plus. Hop, c'est pas le moment de me saouler, sérieux. J'irai me laver les cheveux derrière, tant pis, c'est pas grave, je vais me les laver, j'adore. En même temps, c'est la cata mes cheveux en ce moment. Bon, je reviens dans 2 secondes, parce que là, je suis en train de m'énerver. Donc je vais finir d'appliquer ce foutu masque. Je pense que je suis bonne à me laver les cheveux derrière, hein. Être dans la vie. Parce que de toute façon, j'arrête pas d'enlever les cheveux et ils se remettent automatiquement dedans. Et ça m'agace. Moi je dis vivement que j'achète coiffeur. Parce que là. Je sais pas ce qu'ils ont dans les cheveux, mais ils me saoulent. Au plus haut point. Donc. Je mets pas ici tout simplement parce qu'il y a la bouche et tout. Et si on pouvait éviter un massacre, ce serait pas mal. Enfin, c'est mon choix. Si vous voulez vous en mettre quand vous le faites, bah, vous en mettez. Moi j'estime que c'est pas l'endroit le plus gras que j'ai. Donc je n'en mets pas. Donc là, le masque est fini de poser en couche pratiquement uniforme. Quand je dis pratiquement, c'est vraiment pratiquement. N'allez pas trop près de l'œil surtout. Voilà, pour éviter d'habiller votre cornet. Hein. Donc je ressemble à Shrek. Bonjour. Voilà, c'était la petite veine du jour. Donc je ressemble à Shrek. Je vais donc laisser poser 5 à 7 minutes. Je vais mettre mon petit chrono dans le fond. Là, je referme le masque. Donc, avec le masque en question, là, on peut en faire facile énormément beaucoup. Donc, je vais mettre mon chrono tout de suite. Est-ce que mon empreinte va fonctionner? Parce que j'ai l'impression que j'ai du masque là-dessus. Oh, ouais, ça a fonctionné. Donc, elle est où mon horloge? Je visite. Hein. Au téléphone, donc. Donc, je ne sais pas encore très bien faire fonctionner. Donc, je vais mettre 7 minutes. Donc, c'est en route. Donc je vais laisser poser, moi je le laisse poser 7 minutes parce que je le laisse poser 7 minutes. Et donc, on évite forcément le contact avec les yeux, comme je vous l'ai déjà dit. Faut, donc moi j'ai nettoyé mon visage avant comme je vous fais d'habitude, de toute manière je ne change pas les habitudes. Et après il faudra rincer, bon je ne vais pas vous montrer le rinçage, je pense que tout le monde sait faire, sait se mettre de l'eau sur le visage pour rincer un masque, je pense que... Vous n'êtes pas bête et vous savez le faire. Donc on va passer cette étape, mais je vous montrerai fini bien évidemment. Et donc ce produit contient du coup alerte coup de soleil, des acides alpha-hydroxy qui peuvent augmenter la sensibilité de la peau au soleil et entraîner des coups de soleil. Donc forcément, si on est en plein mois d'août, grand soleil, vous êtes dans le sud, parce que non, ouais, le soleil c'est pas ça, vous êtes dans le sud, ne faites pas le masque avant d'aller au soleil. Parce que honnêtement, vous risquez de ressembler à Omar Free. Comme moi d'ailleurs tous les ans. Sans mettre de masque, je ressemble à Omar. Donc de toute manière, ouais. Alors, c'est pour ça que je le fais en hiver. Et surtout que là, avec la peau, avec ma frange qui se met du coup, j'ai les cheveux gras en haut, c'est une cata. J'ai le front gras du coup à cause de ma frange, c'est une cata, ça me vient. Mais de toute façon, je n'ai plus mes cheveux. Et donc... Donc forcément, il faut éviter... Si vous le mettez, forcément, faut mettre des habits de protection, machin total. Généralement, ça lie à la tête en plein coup de soleil, en plein 40 degrés, vraiment. Ou alors, faut rester chez soi pendant une semaine, mais je vous imagine pas être au soleil et passer une semaine chez soi. Honnêtement, je ne vous conseille pas. Donc, je reviens juste après la fin du masque et je vais aller rincer ce petit morceau. Après l'enlevage du masque, ça paraît bien fou. Alors comment je sens ma peau plus sèche déjà, moins comment dire,
moins grasse, on va y aller direct, moins grasse tout simplement. Je la sens plus belle aussi, au toucher. Voilà, je la sens lisse, sans défaut. Bon, ma coupe, on n'en parle toujours pas, de toute façon ma frange s'est foutue là. Voilà, ma frange, hein, on n'en parle pas. Ma frange, officiellement, je ne vois plus rien, c'est pour ça qu'elle est en arrière. Donc voilà, non, je la sens ouais, plus fraîche, mieux, voilà. Si je veux dire un truc sur ce masque, c'est que je le conseille très vivement. Bon, en tout cas, il fait partie de ma routine. Alors, je le fais pas tous les jours non plus. J'en fais une fois tous les 15 jours, voire 3 semaines. Parce que c'est pas la peine de faire tout le temps, en fait, tout simplement. Il y a d'autres masques qui existent, un masque purifiant, exfoliant et éclat. J'ai le masque éclat aussi, mais je m'en sers moins. Mais de toute façon, celui-là fait partie de ma routine. Donc, le masque éclat, ça sera testé un jour, il n'y a pas de souci. Peut-être une prochaine vidéo, mais pour l'instant, on va parler de ce masque-là. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez pareil comme moi la peau grasse, surtout la zone T de grasse, et moi j'ai les joues aussi, en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai les joues grasses, mais ne m'en ai pas, je sais pas, peut-être à cause de notre de Noël aussi. Bah, n'hésitez pas à me le dire, mais ma coiffure c'est une cata, hein, on dira rien. Donc n'hésitez pas à me le dire, et puis à me contacter en privé, vu que ça va être sur YouTube aussi, sur YouTube, il n'y a pas de soucis. Je suis disponible de toute façon, c'est pour toi aussi, quand vous voulez, vraiment, mais vraiment comme vous voulez. Donc je vous dis à une prochaine petite vidéo et puis à un prochain moment de partage avec vous. Voilà voilà. Et les lives arrivent très 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 bientôt. Il faut que je vois finir d'enlever tout ce petit bordel, tout ce bordel et tout ce bordel. Voilà, encore beaucoup de choses à nettoyer.